Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la chaîne de la diaspora africaine, là où commence le réveil, l'éveil de la conscience africaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition, spéciale édition, que Yves Kenao présente. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette édition sur les élections présidentielles au Burkina Faso, le changement dans la continuité. Le mois de novembre passé, le mois dernier donc, les Burkinabés étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Et ces élections ont eu lieu dans un calme total, sans violence, sans effusion de sang, et tous les Burkinabés se sont donc rendus à ces élections. Nous allons revenir un tout petit peu sur l'historique de cette année, plus précisément de cette révolution burkinabé, en commençant par le mois d'octobre 2014, un après-midi où le peuple burkinabé tout entier s'est levé pour dire trop c'est trop, enough is enough, à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Et sous cette pression populaire, sous cette pression de rue, le président Blaise Compaoré était donc obligé de céder et de quitter le pouvoir. Il y a eu une équipe de transition qui est arrivée, une équipe de transition qui a commencé très lentement, mais qui sûrement a fait un travail énorme. Malgré le coup d'État de septembre 2015, 2015 donc, cette transition a réussi à réussir à conduire à bord le peuple burkinabé et à organiser dans le délai qui s'est fixé les élections présidentielles. Chapeau donc à toute l'équipe de la transition qui, malgré des petits problèmes, malgré de ces problèmes qu'elle a connus, cette transition a réussi à organiser un scrutin historique. Un scrutin historique puisque c'est un scrutin qui vient juste après une année de révolution, qui vient juste après une année au cours de laquelle le peuple burkinabé a dit non à M. Blaise Compaoré qui a régné à la tête de ce pays pendant plus de 27 ans. C'est là que le fait historique de ces élections arrive. Puisque durant plus d'un quart de siècle, il n'y a jamais eu d'autres élections ou un autre président que Blaise Compaoré. Mais là où nous avons été étonnés, c'est la maturité, encore une fois, du peuple burkinabé, qui, malgré la multitude de candidats, est parti aux élections, à ce scrutin de novembre, dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, pour choisir encore une fois, s'il vous plaît, le président, démocratiquement, un nouveau président. Et au début du mois de décembre, on a appris donc que ce scrutin qui devrait être organisé à deux tours, le deuxième tour n'a même pas eu lieu, parce que le Burkinabé a dès le premier tour choisi, a dès le premier tour placé sa confiance à un homme qui a fait ses preuves, à un homme, comme nos confrères, beaucoup de nos confrères l'ont appelé, un homme de consensus. Donc, le peuple burkinabé n'a pas hésité pour aller au second tour. Il a clairement et nettement fait son choix. Et le choix du peuple burkinabé est parti direct sur l'homme qu'on appelle Roch Marc Christian Kabore. C'est un homme âgé de 58 ans, un grand politicien qui a fait sa carrière, toute sa carrière pratiquement, avec la révolution burkinabèse, à côté de Thomas Sankara, puis de Blaise Compaoré. Et surtout, si vous le voyez aussi,
Il est toujours habillé en burkinabé, comme quoi consommant produit burkinabé. C'est un homme qui, tout le peuple burkinabé se retrouve in. Je voudrais dire que tout le peuple burkinabé se retrouve en cet homme-là. C'est comme si il est le président et en même temps proche du peuple. C'est ça, un leader. Cet homme, vous le voyez déjà, encore une fois, habillé sur votre écran en burkinabé. Il représente le produit burkinabé. Et les burkinabés se sont sentis en ce type, en cet homme grand de taille. Non pas seulement cet homme grand de taille, mais cet homme d'une honnêteté intellectuelle, gestionnaire et aussi un animal politique. Il sait quitter le pouvoir quand il faut le quitter. Quand il a senti que le bateau, le navire de Blaise Compaoré allait chavirer, très tôt en 2013, il a compris. En tant qu'animal politique, ah non, je ne vais pas être dans ce navire qui est en train de chavirer. Et il s'est retiré. Il s'est retiré du clan Compaoré pour constituer, pour créer son propre parti, qu'on appelle Mouvement pour le peuple et le progrès, MPP. Monsieur Kaboré, ce grand homme de taille, ce grand homme de cœur, est considéré comme beaucoup de spécialistes, comme beaucoup de connaisseurs de la politique africaine et surtout de la politique burkinabé, comme un rassembleur, comme un homme de consensus, comme un homme qui pouvait réconcilier le peuple burkinabé. Vous n'êtes pas sans savoir que durant ces élections présidentielles, les anciens dignitaires, les dignitaires de l'ancien parti de Blaise Compaoré ont été exclus de ces élections. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui pouvait rassembler tout ce monde-là. Et cet homme, c'est Roch Marc Christian Kaboré. Il a été élu président de Burkina Faso au premier tour avec 53,49, une majorité, une grande majorité. C'est une victoire écrasante du mouvement du peuple pour le changement, pour le progrès, pardon. Le mouvement du peuple pour le progrès. 53,49 avec 14 participants, s'il vous plaît. C'est un score honorable. C'est une large victoire de cet homme à qui les Burkinabés ont fait confiance. Mais, il y a un mais. La tâche qui l'attend est une grande tâche. Il faudrait que M. Kaboré arrive à prouver aux Burkinabés et ensemble de toute l'Afrique qu'il n'est pas Blaise Compaoré. Qu'il a servi avec Blaise Compaoré. Puisqu'il est citoyen burkinabé, il n'a servi que la nation burkinabé, mais pas l'individu Blaise. C'est à lui de prouver qu'il n'est pas le produit de Blaise Compaoré. C'est à lui de prouver qu'il peut être ancien ministre de Blaise Compaoré, ancien président de l'Assemblée nationale sous Blaise Compaoré pendant 10 ans, qu'il peut être le premier ministre de Blaise Compaoré, ancien ministre des Finances de Blaise Compaoré, mais il n'est pas Blaise Compaoré. C'est à lui, par son travail, de prouver au Burkinabé qu'il est différent de Blaise Compaoré. Et que la confiance que le peuple lui a placée en lui ne sera jamais trahie. C'est également à lui de prouver au peuple burkinabé que même s'il avait fait, il avait adressé une lettre d'allégeance à Blaise Compaoré lorsqu'il avait tué Thomas Sankara, pour lui féliciter de rectifier, d'avoir rectifié la révolution, c'est à lui de prouver au peuple burkinabé que s'il l'a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait, mais il l'a fait parce que c'était l'homme fort de ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, il pouvait revenir et ouvrir le dossier de Thomas Sankara et l'achever et partager
toutes les responsabilités dans l'assassinat atroce de Thomas Sankara. C'est en cela que la tâche lourde l'attend. Et il doit prouver qu'il est au-delà, qu'il est au-dessus de ses problèmes et qu'il peut faire la justice, rien que de la justice. C'est en cela que la révolution burkinabèse d'octobre 2014 ne sera pas vaine. Je me suis posé la question. Les Burkinabés avaient la chance d'écrire l'histoire, de refaire l'histoire du peuple burkinabé, en élisant purement et simplement quelqu'un qui n'a rien à faire, qui n'a rien comme tâche, qui n'est lié ni de loin ni de près à Blaise Compaoré. J'ai pensé que c'était l'occasion pour le peuple burkinabé, la chance pour le peuple burkinabé de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles et pour lesquelles le peuple burkinabé n'a pas purement et simplement coupé avec l'ancien régime de Blaise Compaoré. Mais là, encore une fois, le peuple burkinabé est un peuple souverain. C'est un peuple intègre. Et l'intégrité même oblige ce peuple à choisir et à faire un bon choix. Et si le peuple en est arrivé à M. Kabore, c'est que ce même peuple a compris que c'est lui qui est l'homme de la situation. C'est lui qui peut les faire sortir du mauvais drap dans lequel ils se trouvent. Alors je respecte la décision du peuple burkinabé. Seulement, je voudrais que le nouveau président prouve à ce peuple qu'il peut faire mieux, que la révolution d'octobre 2014 n'est pas une simple révolution, n'est pas un simple mot, et que la révolution de 1984 de Thomas Sankara n'est pas une révolution vaine, et qu'avec le dossier Thomas Sankara, qu'il va ouvrir et le finir, il marquera son nom. Il marquera son nom dans toute l'histoire de l'Afrique. Il marquera son nom dans toute l'histoire du Burkina Faso. Parce qu'il réussira à rétablir les torts, à rétablir les responsabilités des uns et des autres. Monsieur Kabore, je vous adresse toutes mes félicitations. Mais encore une fois, vous rentrerez dans l'histoire par ce que vous ferez du dossier Thomas Sankara. Et comme quelqu'un l'a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Et que seuls les imbéciles décident de rentrer dans l'histoire en reculant. Mais vous autres, vous êtes intelligents. Vous êtes un homme fort. Vous êtes un homme de réconciliation. Vous êtes un homme de consensus. Vous êtes un animal politique. Et que vous saurez comment rentrer dans l'histoire par la porte de devant, par la grande porte et non pas la petite porte. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, encore une fois, c'était la spéciale édition présentée par Yves Kenao. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Restez toujours sur notre antenne, sur notre chaîne, pour le reste de nos programmes. N'oubliez pas surtout, à 16h, la grande émission, grand débat de Serge Nyawa passera sur ces antennes avec des invités de classe. Et nous parlerons en général, encore une fois, de ces élections de Burkina Faso. Quel enjeu! C'est parti pour les restes du programme de Tempo Afrique TV, mesdames, messieurs. Je vous retrouve dans quelques instants. Bye.